Hey hey hey, salut tout le monde, c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour le défi de code QG numéro 8 avec le gagnant, que le gameplay du gagnant que vous voyez. Avant ça, je voulais faire une petite annonce, vous annoncer que donc le défi que je vais annoncer en fin de vidéo, ce sera l'avant-dernier. Je ne ferai qu'une seule autre vidéo avec l'annonce pardon, d'un défi. La dernière vidéo sera uniquement le résultat du défi précédent et une sorte de foire aux questions pour pourquoi pas améliorer la série pour la saison prochaine. J'ai déjà quelques idées, c'est vraiment en projet pour l'instant. Enfin, faut vraiment que j'y travaille encore dessus un maximum. Mais bon, voilà, de toute façon, la saison prochaine n'est pas pour tout de suite. Donc voilà, le problème est vite réglé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout simplement. Pour ce défi, il fallait réaliser un gameplay en mêlée générale, en sensibilité 1. Donc on a bien vu au début de la vidéo qu'il était en sensibilité 1. J'avais demandé d'enregistrer pour pouvoir prouver effectivement sa sensibilité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au final, j'avais reçu pas mal de gameplay. Je vous remercie. J'avais reçu des très bons gameplay. J'ai longtemps hésité. Et au final, j'ai reçu ce gameplay le jour même, quelques heures avant la fin du défi. Donc c'est pas de chance pour ceux qui étaient... pour la personne que j'avais désignée en tant que gagnant avant que celui-ci m'envoie le gameplay, c'est pas de chance pour lui, donc je vais pas le citer pour pas qu'il ait trop les boules. Mais voilà, là du coup, il n'y avait pas photo, je veux dire, c'est le seul gameplay que j'ai reçu comme ça. C'est SparkX6 qui a déjà gagné un défi de code QG, il me semble que c'était le défi en jeu d'armes. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était le défi en jeu d'armes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout simplement remporté un deuxième défi de code QG, bravo à toi. C'était franchement pas facile, il a gagné une mêlée générale en sensibilité 1, uniquement au couteau de lancer. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors oui, il en a chié pendant 2 semaines, il m'a envoyé le gameplay au dernier moment. Mais du coup, il gagne ce défi de code QG grâce à ça. Donc voilà, on va passer directement à mon gameplay et au défi suivant, c'est parti. Alors pour ce défi suivant, ne vous emballez pas, c'est pas parce que vous voyez un sniper que ce sera un défi au sniper, pas du tout. En fait je l'avais pris pour faire le spot sur ce gameplay et au final je suis mort derrière et j'avais pris une autre classe. Le but en fait sera tout simplement de faire le meilleur gameplay possible avec un pistolet, n'importe quoi, akimbo, pas akimbo, n'importe lequel pistolet. Après, bien entendu, on est bien d'accord, si vous faites un gameplay au B23R et un gameplay à l'exécuteur, le gameplay à l'exécuteur aura bien entendu plus de valeur. Ça, c'est une certitude. C'est pareil, si vous faites de la domination normale plutôt que de la domination hardcore, ça aura plus de valeur aussi. Les gameplays en hardcore auront moins de valeur, ça c'est une certitude. Et c'est normal, parce que c'est beaucoup plus facile, en l'occurrence, de tuer les ennemis. Mais c'est beaucoup plus facile de mourir également, on est bien d'accord. Hein, mais bon, c'est plus facile de tuer les ennemis avec un pistolet. Donc voilà, sachant que pour ce défi, en plus, vous allez être content. Vous aurez... Enfin, c'est pas uniquement les kills au pistolet qui vont compter, mais vous avez le droit à tous les killstreaks et scorestreaks imaginables. Vous jouez vraiment avec ce que vous voulez. Après, voilà, c'est pareil. Là c'est un gameplay à l'exécuteur, je fais du 65-12, le gameplay en soi il n'est pas non plus exceptionnel, c'est pas un score mauvais mais il n'est pas exceptionnel, j'ai pas mis un score trop compliqué pour que tout le monde ait ses chances, tout le monde puisse tenter sa chance sur ce gameplay. Et c'est vrai que du coup vous êtes assez libre par rapport à ce défi. N'hésitez pas aussi à me proposer des défis pour le dernier de la première saison en fait, tout simplement, hein. Voir ce que vous aimeriez faire aussi comme défi. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, tout simplement en fait. Hein. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne du gagnant, donc SparkX6, qui a gagné son deuxième défi de code QG. Pour l'instant, c'est le seul qui a réussi à faire ça. Je vous invite donc à liker, à commenter un maximum, à envoyer aussi un maximum de gameplay pour la prochaine vidéo. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, bye bye, tchuss. Un type dans son jardin et tapé dans la C. Ouais mais il est blanc quand même. Ouais, n'importe quoi, c'est un cubain. Ouais mais je parle du tigre. Putain. Tellement radin, il fait cuire ses pattes avec l'eau du bain. Quoi, sérieux? Tu parles. Il est trop radin pour prendre un bain. Il se planque aux chiottes au moment de l'addition pour pas raquer. Même une vidéo YouTube, il voudrait pas la partager.